Bonjour, je vais vous parler de tous ceux qui sont nés entre deux signes. Ça fait des années qu'on me pose la question. Voilà, je suis né le 20 mars, est-ce que je suis poisson ou bélier? Je suis né le 23 septembre, est-ce que je suis vierge ou balance? Il faut qu'on en parle parce que c'est un point important qui concerne une personne sur 12, mine de rien. Donc c'est très très important de connaître précisément de quoi il en retourne. Alors, il faut avoir en tête que l'astrologie fonctionne sur le rythme des saisons. Si les constellations qui sont derrière, c'est une toile au mur, c'est de l'habillage, on est construit sur un rythme saisonnier. Les enfants qui sont nés au printemps ont plus de force mais moins d'endurance que les enfants qui sont nés en hiver. Et toute cette déclinaison de la vie sur une année, c'est ce qui nous conditionne, c'est ça l'astrologie. En fait, c'est toujours beaucoup plus simple qu'on l'imagine. C'est pourquoi, lorsque l'on est né entre deux signes, on prend la double casquette. Quelqu'un qui va naître un 20 mars, il va être un coup poisson et un coup bélier. Il va être un mélange des deux. De temps en temps, du coup, il va être hypersensible, extrêmement réceptif, plein d'empathie. Et puis, à d'autres moments de la vie, quand les circonstances le mobilisent, il va être super actif, fonceur, plein de dynamisme, etc. Donc, cette cohabitation des deux fait que savoir précisément si votre soleil, c'est parce que c'est le soleil, le signe, il est en poisson ou en bélier, on s'en fiche comme de l'an 40. Il prend la double couleur, vous êtes un mélange des deux, ce qui double la richesse de votre potentiel. C'est même carrément une chance, donc je veux qu'on le voit du bon côté. Je vais très rapidement vous faire une petite déclinaison pour que vous ayez une idée. Quelqu'un donc qui serait né entre le poisson et le bélier autour du 20-21 mars, parce qu'en plus ça change tous les ans, il y a un décalage de la Terre, vous savez tous que dans le calendrier, ça fonctionne sur les années bissextiles, donc tous les 4 ans, tous les 33 ans, le soleil revient à son point initial. Je ne veux pas rentrer dans les trucs techniques parce que ça devient complexe, et puis c'est chiant, il faut être clair, hein, pour ceux que ça n'intéresse pas. En revanche, donc je vous le fais vite fait, parce que entre deux signes, vous allez voir, c'est rigolo. Quelqu'un qui est né, je refais, entre le poisson et le bélier, ben, il est à la fois hypersensible, imaginatif, et en même temps super fonceur. C'est la clé entre les deux, poisson-bélier. Quand on est entre bélier et taureau, on peut être à la fois très moteur, mais en même temps super têtu. Ce qui n'est pas toujours très facile, mais dans tous les cas, ça donne des éléments qui vont de l'avant. Entre le taureau et le gémeau, il y a un mélange de matérialité qui a besoin de sécurité pratique, et puis en même temps, un côté caméléon, éternel adolescent, qui a besoin de découvrir des choses en permanence, qui a besoin de légèreté, pas de fil à la patte, pas de contraintes. C'est un mélange assez rigolo. Entre le gémeau et le cancer, là, on a des profils qui se posent énormément de questions parce qu'on analyse tout. Le gémeau qui est un intellectuel, qui a besoin de piger, comprendre en même temps un ado qui doute tout le temps. Et le cancer qui est un affectif, qui lui a besoin d'être sécurisé à mort. Donc ce rouage-là, il est assez spécifique en matière de grande réceptivité. Entre le cancer et le lion, ce qui est amusant, le cancer et le lion, c'est qu'on a à la fois la lune qui gouverne le cancer et le soleil qui gouverne le lion. Donc on est carrément dans de l'hyper-réceptivité, de l'hyper-sensibilité, mais en même temps, il faut faire très attention quand on est entre le cancer et le lion, à surveiller la fragilité affective face à tout ce qui est dérangeant, tout ce qui modifie vos habitudes de vie, on le prend en plein poids. Entre le lion et la vierge, c'est un drôle de mélange, c'est un mélange d'orgueil et de soumission, c'est un mélange d'autorité naturelle et de volonté de bien faire comme une petite souris. Donc c'est là aussi, toujours un équilibre à trouver entre les deux. Entre la vierge et la balance, j'ai tout de suite en tête Romy Schneider le 23 septembre, un concentré de charme, de délicatesse, de diplomatie, de minutie et de douceur, alors, tout ce qu'on aime tous quoi. Et puis après, j'ai la balance et le scorpion. Entre la balance et le scorpion, entre ces deux-là, j'ai à la fois le charme de la balance et la passion du scorpion. Ce sont des profils qui, en général, sont assez tournés sur les sens, sur le charnel. C'est un truc un peu important dans la vie, donc il ne faut pas négliger cet enjeu-là. Entre le scorpion et le sagittaire, immédiatement, je pense au général de Gaulle. À la fois, je veux la volonté du scorpion et en même temps, ce côté idéaliste, quant aux objectifs à atteindre, un mélange de franchise dans tous les cas, et puis de tranchant parfois qui ne fait pas dans le détail. Entre le Sagittaire et le Capricorne, tiens, je pense à Macron qui est entre les deux, un mélange de Jupiter, Sagittaire, cette autorité naturelle, et puis cette rigueur, cette autorité qui colle assez bien au Capricorne, encore un équilibre à trouver. Entre le Sagittaire, entre le Capricorne cette fois-ci, et le Verseau, là on est autour du 20-21 janvier, j'ai encore la rigueur du Capricorne, j'y reviens parce que c'est vraiment leur truc, la rigueur. Les Capricornes, ça rigole pas, on est là pour bosser,
on assume toutes les contraintes de la vie. Et le Verseau, c'est pas de fil à la patte là non plus. L'oiseau sur la branche, celui qui n'a qu'une envie dans l'existence, c'est lâcher prise sur tout ce qui est matière, lâcher prise sur tout ce qui est autorité, parce qu'il veut qu'on l'enquiquine pas. Mon Verseau, il veut de l'air, il veut du champ, il veut de la nouveauté, il veut de la créativité, il veut bouger tranquille sans qu'on l'étouffe. Voilà. Et puis, en ce qui concerne le dernier axe qui est entre le Verseau et le Poisson, on est autour du 20-22 février dans ces zones-là, j'ai un très très beau potentiel d'idéalisme, à savoir de créativité du Verseau, d'autonomie, de liberté, et en même temps de sensibilité très fine en ce qui concerne le relationnel aux autres. Donc, on vient de le voir succinctement, j'ai essayé très vite de vous dessiner ce qui se passe entre chacun des 12 signes de mémoire comme ça, mais ce qu'on a en tête, c'est que quand on est entre deux signes, pour moi, à l'usage, c'est carrément du bol, parce qu'on a la capacité de jouer sur deux ressorts, ce qui élargit complètement la zone de créativité, d'autonomie, de réalisation, etc. Donc gardez en tête que si vous êtes entre les deux, il faut qu'on le calcule très précis, si vraiment vous tenez à savoir si vous êtes à 29 degrés 59 minutes de l'un ou à 0,01 seconde de l'autre, on peut toujours le faire, il y a des éphémérides, il y a des trucs qui sont super pointus pour ça, c'est facile. Mais retenez surtout qu'entre les deux, vous prenez de la double couleur, et que cette double couleur, elle est d'une richesse infinie, et je considère que vous avez de la chance. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des précisions là-dessus. Ciao, ciao, ciao.